Vendredi 3 mars 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, au total 460 mères de famille issues des 23 régions de Madagascar suivent une formation professionnelle en cuisine et en pâtisserie à Yavlou depuis aujourd'hui. Une telle formation professionnelle apportera le développement à toutes les bénéficiaires et leur permettra d'avoir du travail décent pour qu'elles soient autonomes. L'événement qui est inclus dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme est organisé conjointement par l'association FITI, dirigée par la première dame Yael Khadzouine et le gouvernement. Les détails avec Saint-Sylvain et Andre Khadzadjaibé. Unique et sans précédent, la salle spacieuse du palais d'Yavlou a été transformée en une immense cuisine. Elle est utilisée par ces mères de famille issues des 23 régions de l'île pour une formation en pâtisserie et en cuisine. Cette formation apportera le développement à ces mères et surtout pour qu'elles ne représentent plus un fardeau pour leur communauté, mais au contraire, pour qu'elles puissent apporter du développement pour leur communauté respective. Sur les 460 bénéficiaires, 260 ont choisi la formation en pâtisserie et les 200 restants ont opté pour la formation en cuisine. Toutes ces mères de famille seront professionnelles à l'issue de cette formation. Selon les explications, les femmes sont souvent exclues économiquement. Il est donc nécessaire de les faire intégrer le domaine du travail et de l'emploi à travers de telles formations. Leur participation prouve que les femmes sont prêtes et capables d'améliorer la société, selon la déclaration de Princia Souafilir, la ministre de la Population. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars et en réponse directe au thème de cette année, qui est l'autonomisation des femmes, la formation est un gage de développement durable. Cette formation en cuisine et en pâtisserie, qui durera 2 jours, est le fruit de la collaboration entre l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Yael Khadzouine, la présidence de la République, le ministère de la Population, ainsi que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et pour aujourd'hui, la caravane médicale Sarobidni Ek, organisée par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Yael Khadzouine, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et ses partenaires, entre dans sa 5e journée. C'est le 2e arrondissement qui a bénéficié des nombreux services de santé offerts par cette caravane médicale qui sont à titre gratuit, semblable au district au sein duquel elle est passée en Tanmour, où s'est tenu l'événement aujourd'hui. A été plein de monde. Cet événement s'inscrit toujours dans le cadre de la célébration du Journée mondiale de la femme le 8 mars. Les détails avec Andone Martina, Zahadji Antsou et Sech Adjianabou. Après avoir été dans les districts Tambouidjachim, Avaradjan, Atsimjan et dans le premier arrondissement, la caravane médicale Sarwidni Eik a été en Tanmour dans le 2e arrondissement aujourd'hui. Un événement organisé par l'association FITI, dirigé par la première dame Yael Khadzouine, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et ses partenaires. C'était le 5e jour de cet événement ce jour, avec comme d'habitude de nombreux services de santé dont tout le monde peut bénéficier gratuitement. Aujourd'hui encore, les femmes enceintes ont reçu des prestations spéciales. Les échographies étaient gratuites au sein de la clinique mobile de l'association FITI. Ainsi, cette mère de famille devait passer une échographie mercredi, a-t-elle précisé. Cependant, en raison des difficultés financières, elle n'a pas pu le faire. La venue de la caravane médicale à Tanmour a été une opportunité pour elle. La caravane médicale Sarobidni Ek sillonnera les 6 arrondissements de la capitale et demain, ce sera autour du 3e arrondissement selon les explications. Continuons toujours en matière de santé, conformément au Vélran 5 prônant la santé pour tous et à tout âge et aux orientations de la politique générale de l'État. Le ministère de la Santé publique a procédé ce jour à la mise en place d'une stratégie axée sur la santé communautaire, base de la pyramide sanitaire à Madagascar, en réduisant les inégalités entre les régions d'une part et entre les agglomérations urbaines et les zones rurales d'autre part. À l'instar de nombreux pays en développement, Madagascar a misé sur la santé communautaire comme approche prioritaire afin de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et des objectifs de développement durable en matière de santé, rendre accessibles les services des soins primaires et améliorer la qualité des soins au niveau communautaire par le biais des agents communautaires et ainsi qu'au niveau des CSB. Plus d'explications. Ceci témoigne de votre engagement en faveur de la santé communautaire, objet de notre rencontre d'aujourd'hui.
Le ministère de la Santé publique publie ses efforts en vue d'atteindre les objectifs de développement durable en matière de santé, et dans ce sens, mais surtout conformément aux engagements de son excellence Monsieur le Président de la République Andjadjouéla et Vélizouane, qui se traduit comme un contrat objectif de la politique générale de l'État, qui prône la santé pour tous et à tout âge, et ce, en réduisant les inégalités entre les régions, d'une part, entre les localités urbaines et les zones rurales, d'autre part. Madagascar, à l'instar de l'Angleterre d'Afrique, a misé sur la santé communautaire comme approche prioritaire dans le but d'atteindre les objectifs en matière de santé. Le ministère de la Santé publique est également conscient que les services offerts par les agents communautaires contribuent réellement à l'atteinte des objectifs de la santé pour le bien-être de la population. Le problème persistant d'accès aux soins, lié à l'imperfection des plans techniques, au manque d'effectifs des centres de santé et la faiblesse des ressources, entrave la continuité et qualité des services. Cependant, notre vision est d'instaurer un système de santé fort, performant et résilient, offrant des services de qualité accessibles et équitables, bénéficiant de la confiance de la population. En s'engageant sur cette voie, Madagascar dispose actuellement des documents cadres en santé communautaire, à savoir le plan stratégique national de renforcement de la santé communautaire, le guide de mise en œuvre harmonisée en santé communautaire, le guide des petites activités communautaires de TIPAC et le document contenant les modules de formation intégrés et afférents. Ensuite, 4 à 5% de la population souffre d'audit ou ont des problèmes auditifs selon un médecin spécialiste de cette maladie. Cependant, le nombre de médecins et de cliniques qui s'occupent de cette maladie dans notre pays est encore très faible. Pourtant, l'audit ou d'autres problèmes auditifs chez une personne est à l'origine d'une stigmatisation sociale si elle n'est pas traitée ou prévenue au préalable. La Journée mondiale de l'audition a été célébrée ce jour à travers l'organisation de nombreuses activités qui ont eu lieu bien dans des hôpitaux publics que dans ceux privés. L'une des causes des problèmes auditifs chez un enfant est le fait que les femmes enceintes n'effectuent pas une échographie normale selon un médecin. Le bruit dans les grandes entreprises et l'utilisation fréquente des écouteurs peuvent aussi provoquer des otites. De plus, lui diminue également avec l'âge. Ce sont les raisons pour lesquelles une personne peut souffrir de problèmes auditifs, selon le docteur Théodore Adjianarsou, médecin-chef au sein d'une clinique privée. À Madagascar, 25 personnes sur 100 qui viennent se faire consulter à la clinique ont un problème auditif. Si l'on se réfère au nombre de patients, le nombre de médecins et de cliniques traitant les otites reste encore relativement faible à Madagascar. Uniquement les grands hôpitaux disposent de tels services. Il existe 20 médecins professionnels spécialisés dans ce domaine à Madagascar. Un projet conjoint entre la CBM et le ministère de la Santé publique pour offrir une formation dans les centres de santé de base est en cours, mais seulement 4 régions sur les 23 sont concernées. À noter que la Journée mondiale de l'audition a été célébrée ce jour et à cet effet, cet hôpital privé Sizambouibao a organisé un événement pour la marquer à travers des consultations, des traitements et des nettoyages gratuits. Une sensibilisation sur l'importance des soins des oreilles a également eu lieu. Antirabe et Fianarantsu ont également organisé des événements similaires dans le cadre de cette Journée mondiale de l'audition. Et concernant les actualités météorologiques, Freddy reprend des forces et s'approche progressivement des côtes du sud-ouest de l'île. De ce fait, les régions de Menabe et Tetsimwanjifen sont placées en alerte verte d'après Météo Madagascar. Il était localisé à 633 km à l'ouest-nord-ouest de Touliar vers 16h cet après-midi et ses vents moyens étaient estimés à 55 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 70 km par heure. Reportage. Freddy est sorti en mer dans le canal de Mozambique depuis hier soir et son résidu reprend à nouveau des forces selon Météo Madagascar. Cependant, il reste encore faible mais impacte déjà le temps qu'il fait sur la grande île. Selon les prévisions, des fortes pluies de 50 mm à 120 mm dans plusieurs régions de Madagascar auront lieu dès ce vendredi. Aujourd'hui, vers 16h, il se trouvait à 633 km à l'ouest-nord-ouest de Touliar et ses vents moyens étaient estimés à 55 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 70 km par heure. Toutefois, selon le service météorologique, les prévisions de trajectoire n'excluent pas une évolution vers le stade de tempête tropicale modérée ou même de forte tempête tropicale dans les 3 prochains jours.
mais le système évoluera vers l'est-sud-est pour se rapprocher des côtes Timwangéfen pour ces 3 jours à venir. Et afin de se préparer aux éventuels dangers, les régions d'Atimonjifen et de Menabe sont placées en alerte verte. Les usagers de la mer entre Bessalampi et Cap-Sainte-Marie vers Mananzar, sont également priés de ne plus sortir en mer. Et dans un tout autre sujet, plus de 10 millions d'électeurs sont inscrits sur la liste électorale jusqu'à présent, répartis dans les 119 districts de Madagascar. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'objectif de la CENI d'inscrire plus de 13 millions d'électeurs dans la liste électorale n'a pas encore été atteint. Cependant, l'établissement des rapports et des résultats du CLRE au niveau de chaque district se poursuit. Les inscriptions au niveau de chaque fonction se poursuivent également jusqu'au 31 mai 2023. Reportage. Les rapports et les résultats du CLRE parviennent progressivement au niveau de la CENI, même si des problèmes dus au mauvais état de la route causés par les intempéries dernièrement ont été constatés. Raison pour laquelle les statistiques prévisionnelles n'ont pas été atteintes jusqu'à présent, selon le directeur cabinet de la CENI. De nombreux citoyens qui ont immigré n'avaient pas non plus de carnet bouctin et des personnes majeures ne possèdent pas encore de carte d'identité. De plus, certains pensent que la liste électorale pour laquelle ils ont voté lors de la dernière élection à Madagascar est toujours valable et ils n'ont pas donc inscrit leur nom dans la nouvelle liste. Il est à noter que l'inscription des noms sur la liste électorale auprès de chaque fukuntang se poursuit toujours et ne prendra fin que le 31 mai 2023, selon les explications. Par ailleurs, les représentants de la CENI travaillent les samedis et dimanches pour recevoir tout individu qui veut s'inscrire. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, si une majorité d'Allemands condamne l'invasion russe de l'Ukraine, la stratégie adoptée envers Moscou et les livraisons d'armes ne font pas l'unanimité. Dans l'est du pays, notamment, les appels à la prudence et à l'arrêt des livraisons d'armes se font de plus en plus entendre. France 24. Dans la ville de Brandebourg, en ex-Allemagne de l'Est, ils militent pour la fin de la guerre en Ukraine. Mais quand ces militants de gauche enfilent leur veste de pacifiste, c'est avant tout pour protester contre les livraisons d'armes. Voici notre pétition contre la guerre et la participation de l'Allemagne à cette guerre. Nous ne voulons pas de cette guerre, ni qu'elle arrive jusqu'à chez nous. Nous voulons être protégés. Dans cette région qui a fait partie du bloc soviétique jusqu'à la chute du mur de Berlin, la crainte d'une troisième guerre mondiale est réelle. Mais ces militants reprennent à leur compte le discours du président russe Vladimir Poutine. L'OTAN s'est considéré comme le grand vainqueur de la chute du mur et n'a pas tenu les promesses faites à Gorbatchev de ne pas s'élargir vers l'Est. Même si ce n'est pas une excuse pour la guerre, Poutine a laissé faire pendant des années avant de réagir. Dans les nouveaux Länder qui ont baigné dans l'anti-américanisme et l'amitié germano-russe jusqu'en 1989, la gronde contre le soutien à l'Ukraine monte en puissance. Samedi dernier à Berlin, ils sont venus grossir les rangs d'une manifestation qui a réuni 13 000 personnes. Sa co-initiatrice, l'égérie d'extrême gauche, Zara Wagenknecht. Les pacifistes doivent reprendre la rue. Mais au milieu des colombes pour la paix, plusieurs drapeaux russes et les extrêmes de tous bords. Convaincre ses électeurs de l'engagement allemand reste un défi majeur pour cette députée de la majorité issue d'ex-Allemagne de l'Est. Notre passé nous imprègne encore. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne font pas la différence entre les Russes et Poutine. Or, ce n'est pas le peuple russe, mais bel et bien Poutine qui agresse l'Ukraine. Il est le seul coupable et il faut encore et toujours l'expliquer. Le changement d'époque amorcé par le chancelier Olaf Scholz il y a un an ne réunit toujours pas de majorité à l'Est. 59% des habitants y sont opposés à la livraison imminente de chars lourds en Ukraine. Entre douleur et colère, les Grecs vont à nouveau manifester vendredi, au troisième jour de deuil national observé dans un pays traumatisé par la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts, dont beaucoup de jeunes étudiants. Toujours avec France 24. Des cocktails Molotov, des jets de pierre et des poubelles calcinées. À Thessalonique, plus de 2000 manifestants défilaient jeudi soir, provoquant des débordements dans cette ville proche du lieu de la catastrophe ferroviaire. Les mobilisations étaient plus calmes à Athènes, où de nombreux Grecs se sont rassemblés devant le siège de Hellenic Train,
la compagnie ferroviaire en partie tenue pour responsable de l'accident. L'opérateur ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure du réseau et les gouvernements actuels et précédents partagent la responsabilité. Ils ont ignoré les demandes des employés qui, chaque semaine et chaque jour, soulevaient des inquiétudes sur des questions de santé et de sécurité et à la possibilité d'un accident grave. Nous en sommes arrivés à un point où nous pleurons des dizaines de nos concitoyens, pour la plupart des jeunes, qui ne rentreront jamais chez eux, et des collègues employés. La colère ne faiblit pas alors que les manifestants pointent la vétusté et le manque de sécurité du réseau ferroviaire, résultat selon beaucoup de sa privatisation en 2017. Le gouvernement a reconnu des défaillances chroniques du système ferroviaire et a promis de mener une enquête minutieuse pour rendre justice aux victimes de l'accident. Dans ce climat de tension où l'on cherche les responsables de la catastrophe, le ministre des Transports a remis sa démission mercredi. Et le chef de la gare de Larissa a été arrêté pour homicide par négligence et est entendu par la police, mais cela ne suffit pas aux manifestants. Les responsables syndicaux ont annoncé que le mouvement de protestation était reconduit ce vendredi. En Tunisie, une cinquantaine d'Ivoiriens ont été pris en charge en urgence par leur ambassadeur en Tunisie. Ils s'étaient retrouvés à la rue après avoir été chassés de leur logement à la suite de mesures du gouvernement tunisien visant les migrants clandestins. France 24. Rassemblés devant l'ambassade ivoirienne à Tunis, ils cherchent à quitter un pays qui ne veut plus d'eux. Un départ au goût amer pour nombre de ces Ivoiriens qui se sentaient chez eux en Tunisie. Certaines personnes nous appellent des Africains, mais on est en Afrique. Donc expulser d'autres Africains de cette manière, bon, c'est un peu aberrant au fait. C'est vraiment dommage parce que je me sentais tellement heureux ici. Je me sentais bien, je vivais heureux, je n'avais pas de problème. Et rentrer de cette façon, ça me fait vraiment un pincement au cœur. Le 21 février, le président Kais Saied annonçait des mesures urgentes pour lutter contre l'immigration clandestine, y compris des sanctions à l'encontre des employeurs et des propriétaires. Du jour au lendemain, des milliers de personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, se sont retrouvées à la rue et sans travail. Certains ont même été victimes d'agressions et disent aujourd'hui craindre pour leur sécurité. Depuis que le problème est arrivé, Nous nous sentons obligés de nous cacher. On est obligé de se cacher, on ne sort pas. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis à la maison. Avec ma soeur, nous ont lapidé avec des cailloux, des petits cailloux. Et dit, les Ivoiriens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Suite aux annonces du président, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, ont enclenché un mécanisme d'urgence pour protéger et rapatrier leurs ressortissants en Tunisie. Le gouvernement ivoirien a notamment débloqué près d'1,5 million d'euros pour aider au retour volontaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons déjà de passer un très beau week-end. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.